Expulsé vendredi dernier contre la Namibie, Ethan de Groot a été suspendu 2 matchs par la commission de discipline. Le pilier gauche de la Nouvelle-Zélande va manquer les dernières rencontres de la phase de poule contre l'Italie puis l'Uruguay. Premier All Black sanctionné d'un carton rouge en Coupe du Monde, vendredi contre la Namibie, Ethan de Groot a été suspendu ce lundi pour 3 rencontres. Verdict qui sera ramené à 2 s'il prend part à un programme de World Rugby. Le pilier gauche avait reçu un rouge en 2 temps, au Stadium de Toulouse, pour une charge à l'épaule sur Adrien Bouizan à la fin d'un match jusqu'alors sans histoire pour la Nouvelle-Zélande, qui se dirigeait vers une victoire facile 71-3. La commission de discipline a estimé que le geste de De Groot, qui était entré en contact avec la tête du joueur namibien, représentait un niveau de danger élevé. Il manquera donc au minimum les 2 derniers matchs de poule des All Blacks, contre l'Italie, le 29 septembre, et l'Uruguay, le 5 octobre.